fac. Oh le fou. Putain. Alors ça, je suis pas d'accord. Regardez, j'ai une licorne. Ah, énorme. Il me regarde. Regarde ma licorne. Coucou mes petits abonnés et non-abonnés qui vont s'abonner parce que je suis complètement dingue. Donc c'est très intéressant parfois de me suivre dans ma folie, on va dire ça comme ça. Alors avant de commencer cette vidéo, je voulais vous parler d'un produit que j'ai découvert pour protéger sa moto. C'est le French Cleaning avec des petites lingettes et je vous montre ça tout de suite. C'est ce produit là, je vous le montre comme ceci. Avec ma petite moto dessus, oui, oui, oui. Alors, ce n'est pas un partenariat, hein. On est d'accord, je commence pas à faire des placements de produits, vous inquiétez pas, mes abonnés. C'est juste que j'ai pu parler avec la personne qui crée ces lingettes et j'ai trouvé ça super intéressant. Avant toute chose, je l'ai testé pour vous. Je voulais voir ce que ça valait parce que je vais pas vous parler d'un produit si je ne valide pas le projet. Donc voilà ce qu'il y a avec ces petites lingettes comparées aux autres que vous devez connaître. C'est un produit 100% français et vraiment 100% français. C'est un pot de 80 lingettes et ils ont fait le choix de ne pas avoir de composants agressifs. Voilà ce qui fait toute la différence avec les autres lingettes. C'est un produit qui va protéger avec un film protecteur avec une couche adhérente. Plus on va déposer ce film protecteur sur la moto, moins ça va accrocher. Donc c'est une utilisation qui va faire son effet dans le temps. Déjà après une première utilisation, vous allez devoir prendre plusieurs lingettes et vous verrez son efficacité dans le temps. Ça va beaucoup moins accrocher, vous allez avoir beaucoup moins de mal à nettoyer la moto. C'est vraiment ce film protecteur qui fait tout. Donc voilà, la formule est radicalement différente des autres produits qu'on peut trouver dans le commerce, que vous devez tous connaître. Produits qui sont très agressifs, qui ont du silicone. On est d'accord que c'est très mauvais, on le sait, mais c'est ce qui fait briller. Donc beaucoup l'utilisent. Et ça, c'est un produit sans silicone. Sans silicone, s'il vous plaît. C'est la base de tout, de tout. Alors vous allez me dire, comment ça peut faire briller s'il n'y a pas de silicone? Donc c'est grâce à la cire de carnauba. Donc la cire de carnauba, en gros, c'est une écorce de palmier brésilien. Quand j'ai connu ce produit-là et qu'on en a longuement parlé au téléphone, j'ai sauté sur l'occasion, je me suis dit oui, pourquoi pas, je vais faire un test et je verrai après si effectivement j'en parle à mes abonnés, si ça vaut le coup. Et clairement, oui, c'est super efficace. Alors ça va pas vous nettoyer la moto au premier coup de lingette. Il vaut mieux la nettoyer en amont parce que c'est vraiment un film protecteur. Ça va plus protéger la moto et vous allez vous prendre des moucherons et tout ce que vous voulez pour les prochaines balades. Vous allez avoir beaucoup moins de mal à nettoyer après. Donc vous avez deux gammes, une brillante et une mate. Donc dans la formule brillante, évidemment, ça va permettre de la faire briller. Dans la formule mate, il y aura beaucoup moins de cire de carnauba. Voilà. Donc pour la fabrication, ce sont vraiment les seuls à avoir une réelle production française. Et je le souligne. Vraiment, vous pouvez aller voir le site, vous renseigner, c'est réel, parce qu'il y en a qui peuvent dire c'est 100% français, hein. Ils jouent sur les codes et ce qui est légal de faire, alors que c'est pas du tout 100% français, bon ça on le sait quand même, donc là, c'est vraiment 100% français. Hein. Par exemple, le montage des pots, c'est fait dans le nord de la France, le tissage des lingettes, c'est fait en Alsace, la découpe à Orléans. De plus, c'est une vraie équipe de motards et de passionnés qui proposent des produits de qualité. Donc, c'est fait par des motards, pour des motards. Donc voilà, moi, c'est vrai que j'ai testé, du coup. Si je décide de vous en parler, c'est parce que clairement, ça fonctionne, ça fonctionne. Donc du coup, ils m'ont fait un pot, après validation de leurs produits, un pot personnalisé à mon effigie. Voilà, comme ceci, vous voyez bien. Avec ma moto, ma petite licorne, bien sûr. Enfin, voilà, donc pour ceux qui sont intéressés et qui voudraient avoir mon blaze sur les lingettes du French Cleaning, n'hésitez pas à passer commande. Et pour cela, je vous offre un code de personnalisation de 5%. Alors, le but, c'est de les soutenir. Ils sont toujours sans cesse en train de se renouveler, de voir ce qui marche. Les avis sur Internet sont 100% vrais. Donc, voilà, si on a décidé de vous faire un code promo de 5%, c'est pour qu'en fait, au moment de la commande, quand vous allez
entrer le code promo que je vous donnerai. C'est pour reconnaître que vous êtes passé par moi et que vous voulez ce produit avec ma petite moto, quoi. Moi, Mademoiselle Z400, vous voyez. Donc c'est plus pour ça et le but, c'est vraiment de les soutenir, voilà. Donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas. Vous avez 80 lingettes pour 49,90€ et je vous donne donc mon code promo. Donc il suffit de rentrer Mademoiselle Z400, je vous l'écris. Du coup, je vais vous faire une petite vidéo où on nettoie les motos avec. Et puis plus tard, je vous referai une autre vidéo pour vous parler de son efficacité sur le long terme. Voilà, je vous laisse regarder ma petite vidéo. Une nouvelle petite balade avec des hauts, des bas. Moi qui râle encore, encore et encore. Allez, une nouvelle balade. Ah gros fail. Je voulais dire aller une nouvelle balade. Et cette fois-ci j'ai sorti la licorne. Je crois qu'elle a plus de succès que Deadpool. Putain, je fais toujours ce jeu au feu, tu sais, avec ma visière. Bloup, 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 bloup. Putain, je suis con. Bonjour. Il m'a regardé lui. Putain, regarde, il me regarde au feu, je le savais hein. Regarde, il me regarde tous. Oh, j'en peux plus. Je suis pas restée bien longtemps parce que au final j'aime pas les regarder. En plus la visière iridium, ils peuvent pas voir où je regarde. Deadpool faisait pas cet effet là hier hein. Il faisait pas autant d'effets, je suis désolée hein. Ma licorne elle est tellement imposante, elle fait 2m50 tu sais. Ouh, il y a de la moto là-bas. Ouh, il y a de la belle moto. Il m'a fait un petit rupteur. Aïe aïe aïe. Eh ben ça aurait été con de pas sortir, je te le dis moi. J'aurais loupé des choses hein. Eh, c'était peut-être Rodolphe d'ailleurs. Ah franchement je sais pas. Ouh. Moto, moto, moto. Moto, moto. On essaie de s'annoncer. Coucou les enfants. T'as vu? Il a fait un petit V et j'ai fait un petit V. C'est pas mignon ça? Pas mignon ça? Ah moi il m'en faut peu hein. Moi je suis contente tout le temps de tous les dans tous les cas, je suis contente tout le temps. C'est simple. Ah rien me rend heureuse. Que veux-tu que je te dise? Je suis vachement plus à l'aise en courbe hein. Je suis désolée hein. Ah fuck. Oh le fou. Ah bah bravo. Mais c'est pas grave. Ça ne m'énerve pas. Parce que j'ai anticipé. Oh elle avance qu'à 50 là. Ah mais c'est bande blanche. Oh elle avance qu'à 50 l'autre là. Oh là elle m'énerve. Oh là. Il y a un truc hyper jaune qui s'est explosé sur ma visière. Non là je suis pas d'accord par contre. Je veux bien avoir des prunes, des confettis qui s'explosent sur ma visière. Mais là je suis pas d'accord. Vous voyez pas la vue parce que la GoPro elle fait une panne à l'intérieur de la visière. Mais c'est une horreur. Non c'est une horreur là. Eh voilà, non, ça me touche, je vais même pas m'arrêter nettoyer, c'est pas de produit. Je peux pas rouler comme ça. Non mais là je vois que ça c'est en plein milieu de mon champ de vision quoi. En plein milieu. Et allez ça continue. Oh là j'abandonne, tant pis. Pas le choix de conduire avec une visière dégueulasse quoi. Super, ça doit rendre super bien en plus tu sais. Explosion d'un truc jaune sur ma visière iridium rouge. Ah ça doit faire un espèce de contraste. V'là le truc quoi, v'là le truc. Mais c'est pas grave, ça m'empêchera pas de rouler. Tout va bien, y'a pire, tout va bien, y'a aucun souci. Ça m'empêchera pas de continuer ma petite balade en ayant la vision de ce truc dégueulasse sur ma visière. C'est pas grave, zen, zen. Elle avançait pas. Je crois qu'ils ont bugué sur ma licorne. Vous avez vu? Il rigole. Derrière, il rigole. Je le vois. Je le vois, il rigole. Il rigole derrière, je te jure, il se marre, c'est un jeune. J'en peux plus. Ah, une petite MT. Une petite MT là-bas. Hop là. T'es une petite mobilette, c'est quoi ça? Les abonnés? Qu'est-ce que c'est que cette petite mob là? Je sais pas ce que c'est, je crois que c'est une 50 parce que. Il connaît rien. Non? Ah, d'accord. Vous êtes comme ça les gars. Ça envoie hein. Là on est pas mal. Mais c'est 400. 400. Okay, ça va. C'est petit mais ça passe. Allez super. Et merci, c'est gentil. Ouais, c'est bien. Merci. Oui. Coucou petite.
Voilà, petit bonjour. Après. Et j'aurais pu lui dire stop, arrête-toi là, mais j'ai laissé faire. C'est ce qu'il écoutait dans la voiture. Oh oh, alerte au gogol. Alerte au gogol, les enfants. Putain, alors ça, je suis pas d'accord. T'as pas regardé? Sans déconner. Chapeau, hein. Ah, ça m'énerve. Ça m'énerve, mais je vais pas aller faire un redret, j'ai dû péter le rétro. Ah, oh, elle m'a fait peur, cette conne ou ce con. Bon, il s'est excusé. Ça passe. Voilà, moi, quand il s'excuse, ça va. Tant que je suis pas à terre, évidemment. Hein. Tant que je suis pas à terre. C'est bon, ça, c'est fait. Mais par contre, c'est abusé, comme il a pas regardé son rétro, vraiment, quand il a cédé le passage. Enfin, il l'a pas cédé, du coup, mais... C'est fou comme il l'a pas regardé. En plus, je l'ai pas vite. Hein. Eh, hey, je vais leur montrer ma licorne au CRS. La meuf, elle a pas peur. Oh, regarde le cortège là. Eh, hey, regardez, moi j'ai une licorne. Regardez, j'ai une licorne. Oh, énorme. Il me fait rire. Il me regarde. Regarde ma licorne. Tu vois? Oh, la licorne, elle plaît trop. Tu vois? Alors, c'est qui se la pète là? Dans les rues de Dijon. Qu'est-ce qu'il fait lui? Qu'est-ce qu'il fait? Eh, feu rouge toi, feu rouge! Eh! Tu respectes rien toi! Salut! Je te regarde hein! C'est pas mal cette petite balade. J'essaie de changer un peu de décor, alors je prends une autre route pour refaire un tour et après rentrer parce que ça sera l'heure en fait, mine de rien. Ça sera l'heure. Putain, elle aurait pu y aller là. Putain. Oh putain. Allez. Elle apprend à conduire ou quoi elle? Je veux bien que tu sois en... Ah mais quand même hein. Oui bien voilà, sur ces belles paroles, moi je vais vous laisser tranquille parce que je pense que je vous ai assez donné de petits passages de ma vie là, de mes petites balades. Et voilà, j'espère que ça vous aura plu, c'est ces petites observations là du quotidien. Voilà, et moi je vous dis à bientôt. Salut famille.